Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. Nous entrons dans la présence de notre Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce matin, en cette nouvelle semaine, nous voulons te consacrer nos vies. Nous voulons te consacrer nos personnes. Nous voulons te consacrer nos cœurs, nos familles. Nous venons à toi, Seigneur, te livrer encore nos vies, te livrer ce que nous sommes, Seigneur, afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Seigneur, nous sommes l'argile, tu es le potier. Qu'il te plaise de faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Sœur, je t'invite à faire de ce chant ta prière de ce matin, de faire de ce chant ta prière de cette semaine. La parole de ce jour nous dit dans la première lecture que nous sommes concitoyens des saints, nous sommes membres de la famille de Dieu. Et la parole encore déclare que nous sommes collaborateurs de Dieu sur cette terre. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, que tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, vraiment, je t'invite à te livrer entièrement, à te donner au Seigneur, afin qu'il t'utilise pour sa plus grande gloire. Oh, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement, oh, oh. Seigneur, je me livre entièrement, tu peux m'utiliser, je me livre totalement, Seigneur, je me appelé de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à être un instrument de paix dans ton lieu de travail.
Il t'appelle à être un ambassadeur de son amour dans ton école. Il t'appelle à être un ambassadeur d'amour dans ta famille, pour tes frères et sœurs, pour ton mari, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants. Partout où tu seras aujourd'hui, décide d'être cet ambassadeur d'amour. Décide d'être cet instrument de paix pour Dieu. Oui, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, un instrument pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, par l'intercession de Saint Thomas que nous fêtons en ce jour. Seigneur, fais de nous de véritables apôtres. Fais de nous de véritables pierres à l'édifice. Toi, tu es la pierre angulaire. Soutiens-nous, sois notre fondation, Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce en abondance, qu'il t'accorde d'être disposé durant ce jour, durant cette semaine, et d'être un véritable instrument pour sa gloire. C'est un privilège de le connaître, c'est un privilège de le servir, et il faut que nous en soyons conscients. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.